C'est de la peinture sur verre, hein, c'est ça? Ouais, tout, ouais. Mais je connais pas du tout. Tu veux le centre dans le rond du milieu parce que quand il faut que tu tournes, il faut que ça tourne droit. Une peinture qui est exprès pour le verre. D'accord. Parce qu'après, on fait cuire, hein. On le fait cuire. D'ailleurs, c'est la matière première en fait qui est la plus chère. La peinture est plus chère que les. À moins de s'acheter des vases en cristal, la peinture est plus chère que le socle. Ben oui. Allez, on va s'entraîner. Oui. Oh, vas-y, te bipe pas. Mais faut j'en mets plein, en fait. Oui, t'en mets un. Je tourne en même temps. Oui, et oui. J'en mets pas assez, là. Non. Alors, tu fais que le bas. Non, non, on essaye. Enfin, j'en mets pas assez, là. Voilà, on essaye de teinter. Et après alors, tu vois, tu prends vraiment, et puis tu mets comme ça. D'accord, voilà. Alors, et après, tu commences par le bas, parce que si t'en mets trop, comme ça va être un peu long, ça va sécher. Donc là, je tourne. Alors, il faut que tu tournes, t'as vu, et tu pousses le pinceau. Par contre, ce qu'il faut, c'est que tu essayes de les laisser. Voilà, comme ça, vas-y, tourne. Ah, d'accord. Non, non, pose-le là. Et là, tu tournes. On tourne. Voilà, tout doucement. Ah oui, il faut que je monte au fur et à mesure. Et tu montes, vas-y, tu peux tourner, alors un peu plus vite, si tu vois que t'es un peu à l'aise. Ce qu'il faut, c'est que tu essayes de. Vas-y. Voilà. Oui, c'est parce qu'on est à deux. Voilà, normal, vas-y. Ah, mais je ne maîtrise pas bien encore. Ah, bah, dis. Bon. Voilà. Alors, tu essayes. Ce qui est intéressant, c'est de rester toujours au même endroit avec ton pinceau. Vas-y. Vas-y. Tourne, par exemple. Tourne. Ah, il ne faut pas que je bouge mon pinceau. Voilà. Et puis, comme ça, tu peux monter. Tu vois, tu peux monter. Par contre, après, tu te dis, voilà, je mets des vagues. Fais des vagues. Voilà, vas-y, tu peux. Là, on s'entraîne, hein, on lave après, tu ne passes pas. Hein. Il ne faut pas que je bouge un pinceau. Et tu bouges après si tu veux faire des vagues. Si tu veux, voilà, tu vois. Tu sens le. Vous savez, j'ai tendance à suivre le pinceau. Et voilà. C'est ça, oui. Oui, c'est compliqué à faire. Bon, voilà, c'est pour ça. Mais quand les vagues, c'est moins grave. Oui. Tu peux y aller. Voilà. Tu vois, on peut carrément. On peut y d'accord, aller. D'accord, ouais, jouer. Ouais. On peut jouer carrément. Hein. C'est ça qui est compliqué. Oui, ouais. Mais ça, mais ça, tu ne l'auras pas la première fois parce que c'est. Voilà. Mais c'est pour ça qu'au début, alors vas-y, tu retrempes. Voilà. Tiens, je vais te montrer, je vais te rincer après. Donc après, tu trempes et puis tu vois, tu peux mettre ton pinceau comme ça. Faire du relief. D'accord. Juste sur la tranchette. Voilà, tu vois, tu fais de la tranche. Ah oui, d'accord. Tu vois, et tu reviens à plat, tu t'en fous. Parce que ce que tu veux faire, c'est du mouvement. Tu vois? D'accord. Voilà. Je veux faire du mouvement. Alors, tu vois, j'y vais, puis je reviens à plat, et puis hop, je repars dans l'autre sens. Et toi, regarde, t'as de l'épaisseur. Je dis merde, c'est un peu trop épais. Juste, je reprends un petit peu. Mais je peux le garder, tu vois, je peux. Voilà. Tu vois, regarde. Ouais. Tu peux faire du mouvement. Voilà. D'accord. Mais c'est ça qu'il faut que je vais t'apprendre aujourd'hui. D'accord. Hein, en essayant d'en faire un quand même. Voilà. D'accord. C'est de la gymnastique. C'est pour soi propre, c'est normal. Hein, mais une fois qu'on l'a lavé. Ça sèche en combien de temps? Normalement, il faut toujours le faire cuire le lendemain. Parce que. Sinon, ça éclate ou. Il faut attendre que la peinture sèche. Pas vraiment, mais. Faut être sûr. Tu sens le. Ça vient, hein, t'as vu, tu étais plus à l'aise que déjà tout à l'heure. Ah, je me trouve un rythme en fait. Voilà, il faut que tu trouves le rythme. D'où l'intérêt de travailler un petit peu, quoi, parce que. Notre couleur. Quand tu vois que ça coule comme ça, tu vois, hop, t'essayes de reprendre, mais avec un pinceau plus petit par exemple, tu vois. Tu mets un peu de couleur dessus quand même, hein, un tout petit peu. T'as compris, là. Oui, oui. Et voilà. Donc, je vais me mettre un petit peu là. Voilà, un peu plus loin. Voilà, exactement. Tu vois, c'est sensuel, hein. Il faut sentir le. Ouais. Hein, ouais. Moi,
je trouve que c'est pas comme la peinture. Voilà. C'est ça. Tu vois, tu nous as presque fait un masque pas mal, hein. Parce que... Donc tu peux faire plusieurs étapes, Dominique. Par exemple, aujourd'hui je fais du blanc, voilà. Voilà. Je peux le cuire. Je le cuire et par-dessus, voilà. Je peux faire des dessins. Et souvent parce qu'en fait, si je veux dessiner quelque chose là et que je me trompe, je vais être obligée de tout réenlever. Donc là, je me dis, ok, ma base est pas mal, ou la sienne, je cuis et après on va faire quelque chose. Et si ça va pas, je peux nettoyer, mais ce qu'il y a en dessous, ça partira plus. D'accord. Voilà, c'était l'avantage de cuire en deux fois, c'est ce que je lui disais des fois. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de mélanger les couleurs. Have you heard the word today? Screaming out loud everywhere. Heard of visions in the storm. And what we need is overhead. Green disease and burst pollution. It's all fall down for fool's illusion. Everything is on the way now. And what is receiving is altered. And we are here dancing here down. What with belonging self to sell my hymn. What you